travail échangé par un gaz, par un fluide, à l'intérieur d'un piston, au cours d'une transformation isocore. Alors, deux petits rappels, qu'est-ce qu'on appelle le travail des forces de pression? On l'a vu précédemment, le travail élémentaire des forces de pression, quand on fait subir au gaz une variation de volume dV avec une force due à la pression extérieure, eh bien, ce travail élémentaire vaut moins P extérieur dV. Bien, si la transformation V, si la transformation est isocore, donc le volume est constant, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on peut, d'un volume V, on va appeler V1 ici, travail échangé par un gaz lorsque on a une transformation isocore. Alors, quelques petits rappels, qu'est-ce qu'on appelle le travail échangé par un gaz? Eh bien, cette variation élémentaire de travail vaut moins P extérieur, pression extérieure, fois variation de volume de ce gaz, nous l'avons vu précédemment. La transformation isocore signifie que le volume de gaz, lui, est constant. Cette enceinte garde un volume constant. Autrement dit, on peut passer d'une pression P1 à une pression P2, donc la transformation passe de A à B ou de B à A. Le volume reste constant, mais la pression, elle, varie. Que vaut maintenant le travail élémentaire? Vous allez le chercher dans le cas où on passe par exemple de A vers B ou de B vers A, ça n'a pas d'importance. Dans les deux cas, vous allez trouver la même valeur. Bien, ce travail élémentaire, delta W, est égal à moins P extérieur fois D2V. La variation de volume est nulle. Variation élémentaire de volume est nulle puisque le volume reste constant. Autrement dit, ce travail élémentaire est égal à 0 joules. Le travail, c'est de l'énergie. L'énergie est exprimée en joules. Si on fait le travail total, qu'on passe de A vers B ou de B vers A, eh bien, on trouvera dans ce cas-là une somme de tous ces travaux élémentaires, mais somme de 0, plus 0, plus 0, plus 0, plus 0, eh bien, ça va être toujours 0 joules. Donc, au cours d'une transformation isocore, volume constant, le travail échangé est égal à 0.